spécial Robert Faupin. Hein. Absolument, merci absolument. Beaucoup. Et de la famille, il n'y a qu'un pas. Nous avons Ravi Shankar qui est avec nous. Hier, il a fait une petite apparition très courte. On te laisse la parole quelques secondes puisque vous avez de belles surprises pour nous. Voilà, en direct sur la locale. Maintenant, on va présenter le groupe Bolé Divani qui va faire. Attendez, Ravi Shankar, s'il vous plaît. Comme il se le doit. Et c'est un grand monsieur, c'est un grand monsieur parce que franchement, il est arrivé hier, il a dit, moi, j'adore ce que vous faites. Et pour le prouver, je reviens demain avec des cadeaux. Il est arrivé, c'est vrai, il a eu des... Vas-y, je vais te laisser en parler. Ce qui est important, c'est de voir directement la danse indienne. Et à travers cette danse, vous pouvez voir que l'Inde est représentée par différentes régions. Bolé Divani, directement, regardez. Merci, on regarde. Il nous faut le steady, là. Il y a Cédric qui arrive. En direct, alors on est en direct de la locale. Alors, j'ai failli aller choper une caméra là. Ravi Shankar, Ravi Shankar a quelque chose à nous raconter, une anecdote cette année. Vous êtes organisateur d'événements culturels avec différentes mairies, je crois. Bien sûr, là on va organiser un événement avec la mairie de Saint-Denis bientôt, ce sera prévu en mars ou avril. Et aussi sur la mairie de Paris aussi, on a des événements prévus. Ce qui est important, c'est de montrer que la culture indienne est présente en France. Et le rôle à travers la culture, l'art, bien sûr la gastronomie, surtout l'art musical aussi. Parce que c'est un voyage de découvrir l'Inde. Alors, de l'Inde, il n'y a qu'un pas, nous avons aussi le Brésil. Ce matin, c'était l'Angleterre, la Jamaïque et le Brésil en face de nous. Ça fait depuis tout à l'heure, Madame Attan. Pourriez-vous nous dire quelques petits mots? Avec oui. Quel joli sourire. Merci. Vous êtes libre ce soir? Alors, bon, c'est chaud à la locale, hein. C'est chaud. Ah, déjà, c'est une localienne, déjà. C'est une localienne, c'est ça. C'est une localienne, ouais. Bon, d'avoir la locale comme partenaire pour l'année de la France au Brésil sur un projet qui parle de l'eau. Dans quelques secondes, nous saurons la suite. Vous êtes en direct. Les applaudissements, s'il vous plaît. Les applaudissements, s'il vous plaît. On accueille l'Inde à la locale. जगाती है कयामत कोई हर कदम पर तू गिराती चले बिजली Ticket varia, tutta toyen order, adderia. Oh, yeah, yeah. 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 Oh, yeah, yeah
Come on.
cas. Oh là 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 là, tellement que c'était bien parti, franchement. Et attendez, on était en train de parler là, on parlait. Merci mesdemoiselles. Comment elle s'appelle? Chloé Nandini. Boli Divani, du groupe Boli Divani. Chloé et Nandini, s'il vous plaît. Close. Merci mesdemoiselles. Merci beaucoup. Merci. Mille merci, on est toujours en direct à la locale. Et on parlait de quelque chose, hein. Ouais, il y a un mix à faire. Ouais, non, mais attends, on va même dire ça cache. Moi, j'aime bien les choses cache. Vous savez quoi? On va faire une émission de télévision qui va s'appeler... Spécial l'Inde. Un peu la culture, la musique, danse et l'art gastronomique, l'art musical de l'Inde, quoi. Ravi Shankar, revenez bientôt. Attends, on parle, spécial l'Inde, machin, attends, donne-lui son micro, je peux, Patrick? Alors tiens, on va parler deux secondes là, on va faire l'émission, mais avant la fin du mois là, qui arrive... Il n'y a pas de problème. Moi, je suis opérationnel. Avant la fin du mois, c'est-à-dire on lance une émission, c'est la première fois qu'on a une émission comme ça, spéciale. Voilà. Attends, on parle que de l'Inde, c'est la première fois. T'es prêt à lancer une émission de ta poche, c'est-à-dire c'est toi qui es producteur de cette émission. Il n'y a pas de problème. Oh là là ! C'est très important ça de montrer la culture. Ça se passe en direct à la locale. T'as entendu ça, Jacqueline Chabert ? Spécial Inde, en direct de la locale. Ben merci, merci beaucoup, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Je remercie sincèrement la locale pour avoir donné l'opportunité. Et je trouve que c'est très important d'exprimer la passion, la culture et continuer dans cette voie-là. Je suis avec vous, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Franchement, on t'aime déjà. À très vite, Patrick. Ravi Shankar, on vous oublie pas. Il n'y a pas de problème. On se l'a compris. Bonne année, de bonnes actions ici sur la locale. Bon, on se voit tout à l'heure. Hein. Juste un message aussi, c'est www.gobiofr.org. On a compris, c'est une association. Voilà, exactement. Et c'est là où on pourrait avoir toutes les informations. Toutes les infos sur la culture indienne. En tout cas, à la fin du mois, on vous attend. Attends, il peut pas partir comme ça. En plus, on a mal entendu. Il y a un pipi-pips, on est en direct, si vous entendez le même bruit que moi. Il faut d'abord que tu nous présentes le jeune homme, t'es venu avec un jeune homme, et que tu nous présentes aussi, et tu nous dises vite fait, un petit mot en indien, et que tu donnes un petit message de bonne année à tous les Indiens en France, qui vivent en France. Hello, Nandri. D'abord, c'est un ami Stéphane, un ami de longue date qui est avec moi et aussi qui participe aux événements que j'organise. Je l'ai invité pour venir voir cet événement aujourd'hui quoi, et c'est découvrir la locale. Bon. Et ce que je dis. Voilà. Et je parle aussi, comment dire, en tamoul. La langue tamoul, ça représente aussi l'originaire de l'Inde du Sud. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un peu les différentes danses de différentes régions de l'Inde, quoi. Et ce que je voulais dire par rapport au site, c'est gobiofr.org. S'il vous plaît, vous pouvez appeler Gopio parce que la plupart ne sauront pas. G-O-P-I-O-F-R, qui représente la France et la francophonie aussi, .org. Voilà. Parfait. C'est entendu. Bah, l'Inde à la locale. Merci beaucoup. On l'applaudit encore. Et merci de nous avoir apporté autant de chaleur. Bah, tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Tu restes dans le coin. On va prendre les coordonnées. Tu dois faire une émission aussi, de toute façon. Hein. Non, te lâche pas. Tu crois que tu vas fuir là? Tu vas dire les choses. Tu vas fuir. Bah, non. Il a dit, il n'y a pas de problème. Ah, bah, oui, il n'y a pas de problème. Là, en plus, on est en train de me dire qu'on était harcelés là. Dès que les filles sont passées, on a dit oui, on veut gagner, on veut gagner. On gagne pas les filles ici. On ne gagne pas les filles. Par contre, vous pouvez gagner des CD. Gagnez-les, achetez-les, ne les téléchargez pas. Tout de suite, on va passer à un jeune homme là-bas. Bah, c'est vite fait, et c'est vite fait, puisqu'il se fait tard. Depuis 14h, nous sommes ici. Et ça continue non-stop. Il y a Julien Patricot qui est là. Il a amené une petite surprise. Deux surprises. On en parlera tout à l'heure. Wow. Deux grosses surprises. J'entends, les téléphones vont sonner. Ah là là, je crois aussi. Merci pour ce voyage de l'Inde. De l'Inde, il n'y a qu'un pas. Le trophée des agences de voyage. Ça a été un grand voyage aussi au cours de cette année. Il y a une manifestation où on retrouve toutes les grandes agences de voyage, surtout les voyages d'affaires. Vous êtes un homme qui voyage partout dans le monde, et entre autres la France, du nord au sud, est-ouest. Vous êtes un chanceux animateur, peut-être même organisateur des fois, à des moments donnés. Alors, présentez-vous, dites-nous tout, faites-nous voyager. Commençons par le trophée. Oui Patrick, déjà merci de l'invitation, je vous remercie beaucoup, parce que c'est vous qui m'avez fait venir à la locale, donc merci d'abord. Fabrice Boulet.